Selon topmercato.com, barré par une forte concurrence, Carlos Soler est en manque de temps de jeu, au PSG. Le Barça souhaitait profiter de la situation pour le récupérer, lors des prochains mercato. L'équation liée à son transfert paraît toutefois compliquée à résoudre, alors que les deux clubs ne s'entendent pas. Âgé de 25 ans, Carlos Soler a été recruté en échange d'un chèque de 18 millions d'euros à Valence, il y a quelques mois. Le natif de Valence y possédait le statut de cadre. Gennaro Gattuso aurait voulu s'appuyer sur lui, mais les dirigeants de la formation espagnole ne lui ont pas proposé le contrat qu'il attendait. Le joueur souhaitait obtenir un bail à vie, portant sur 7 ou 8 ans, de façon à être lié au club valencien durant toute sa carrière. Il a finalement quitté l'équipe tchèque sur un total de 226 rencontres, toutes compétitions confondues, ainsi que 36 buts et 31 passes décisives. Christophe Galtier validerait-il l'idée d'un départ de son joueur? Le Français s'était plaint de ne pas pouvoir compter sur un défenseur supplémentaire. Mais le technicien paraît en revanche satisfait de son entrejeu. Et il semble peu probable que le PSG accepte de laisser partir l'Espagnol, et d'autant plus pour un club qu'il ne porte pas dans son cœur.